Bienvenue dans le monde fantastique de Princesse Sophia. Les activités au château. Ambre, James et moi avons prévu une activité chacun. Moi, j'ai prévu de jouer aux pirates dans ma cabane. Formidable! Le premier arrivé, c'est parti! Attendez! Qui vient, Sophia? Hissez les voiles, Capitaine Zandar! À vos ordres, Amiral James! Amiral, nous sommes attaqués! Des pirates! Votre navire est à nous, Amiral! Ah! En garde! Ah! En avant! Chargez! Levez les armes, Amiral! Vous êtes cernés! Je t'aurai, pirate! Je t'aurai! Il est l'heure de passer à mon activité! Mon activité consiste en un délicieux goûter qui vous fera voir la vie en rose. Oh, c'est tellement rose! Des ours en peluche! Nous en avons un chacun. Comme ils sont beaux, ils tiennent une tasse de thé. Ils sont si mignons. Tu devrais inviter tes amis plus souvent, Sophia. Oh, et attendez, vous n'avez pas encore goûté aux biscuits. Et voici vos biscuits parfaitement roses. Merci, Monsieur Bellet. Que fait-on après? Mon activité, elle se passe justement dans le jardin. Nous allons peindre des papillons. C'est une bonne idée, Sophia. Je vais peindre ce papillon jaune. Les miens seront de toutes les couleurs. Il est vraiment beau. Merci. Oh, oh. Est-ce que quelqu'un pourrait faire en sorte qu'il arrête de bouger? Il a une drôle de tête, ton papillon. Normal, c'est un lézard. Oh, reviens! Zut, il s'en va! James! Je vais enseigner à la princesse Léna l'art ancestral de la décoration d'ombrelles. Oups. Oh, ce n'est pas grave. Je t'apprendrai aussi à faire des figures avec l'ombrelle. Nous avons tant de choses à apprendre. Regarde, Léna, pour décorer nos ombrelles, nous allons commencer par coller de jolies pierres précieuses. D'accord. Tu mets un peu de colle et tu sèmes les brillants. Un peu de colle, des brillants. Colle, brillant. Pourquoi je n'y arrive pas? Oh, c'est amusant, n'est-ce pas? Il ne manque plus que les paillettes. Faut-il que ça m'arrive à moi? Et maintenant, tu ajoutes des petites touches de couleur. Comme ça. Vas-y, à toi. Oh, parfait. On sait manier l'ombrelle. Qu'en penses-tu? Votre numéro est éblouissant. Toi aussi, tu es éblouissante. Que s'est-il passé? Oh, rien de grave. C'était le monde fantastique de Princesse Sophia.